Donc, je suis bien content de voir qu'il y avait de l'intérêt suscité par la révision de la norme, entre autres l'élément sur la biodiversité. Écoutez, on s'en doutait un peu. Alors, c'est pour ça qu'on a préparé une présentation pour aller plus loin sur ce sujet-là. Moi, je vais faire l'introduction et puis ma collègue Noémie Gagnon-Lupien, qui est biologiste, va aller beaucoup plus loin là, dans des exemples. Donc, on va d'abord parler de la nouvelle norme bio sur la biodiversité, donner quelques concepts de base. Et puis, Noémie va prendre la suite, quelle faune, quelle flore viser et donner beaucoup d'exemples d'aménagement. Donc, si on regarde le texte exact là, de la nouvelle norme sur la biodiversité, ce que ça dit, les pratiques de gestion doivent comprendre des mesures de protection et d'amélioration de la santé des écosystèmes de l'exploitation et intégrer l'un ou plusieurs des éléments suivants. Donc, c'est sûr que, hein, on parle de protection et d'amélioration, mais la protection aussi, c'est aussi important. Il y en a 5 de listés. A, habitat pour les pollinisateurs, qu'ils soient naturels ou les abeilles domestiques. On parle de bandes fleuries, on parle d'habitat faunique, de maintien ou de restauration des rives ou des milieux humides, ou toute autre mesure pour promouvoir la biodiversité. Il y a une petite note aussi, là, mais je n'irai pas trop dans les détails de ça, mais les habitats existants dans les prairies, là, ils parlent dans l'Ouest canadien, les rangelands qu'ils appellent, c'est des espèces de prairies naturelles. C'est les terres humides ou les forêts parcs naturels devraient être préservées, améliorées chaque fois que cela est possible. Ça, on parle souvent d'exploitation agricole là, qui côtoie des milieux naturels à ce moment-là. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire cette norme-là? Ça veut dire que vous avez une année pour vous y conformer, hein, parce que on a, à partir de l'adoption de la norme révisée, on a un an pour s'y conformer. Donc, pour la saison 2022, il va falloir d'abord que vous ajoutiez une section dans votre plan de gestion de la ferme qui s'appelle « Mesures de protection et d'amélioration de la biodiversité ». Vous pourrez donner un autre titre si vous voulez, mais en pratique, c'est ça. Et puis surtout, ce que vous mettez dans votre plan, ben, idéalement, vous le réalisez. Puis le certificateur donc, fera le suivi d'année en année, voire ce que vous avez fait. Je voudrais couvrir quelques concepts de base avant d'aller plus loin. Bon, quand on parle de biodiversité, on parle de diversité des espèces animales et végétales. On pourrait aussi parler des micro-organismes, là, mais je pense que ce n'est pas ça qu'on entend quand on pense à biodiversité. On pense surtout à la faune, que ce soit les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les insectes, les mammifères ou la flore, que ce soit des plantes vivaces ou annuelles, des arbustes, des arbres. Il y a un concept dont on entend parler depuis peut-être un petit peu plus d'une dizaine d'années en agriculture, c'est celui de la biodiversité fonctionnelle. Alors, c'est défini comme l'ensemble des espèces qui contribuent à des services écosystémiques dans un agroécosystème. Autrement dit, c'est la biodiversité utile aux agriculteurs. Puis je pense que c'est là qu'il faut mettre nos efforts, c'est attirer de la faune et de la flore qui peuvent être utiles à notre exploitation agricole, qui est en complément. Voilà. Un autre concept qui est utile, c'est celui d'écotone. Un écotone, c'est une zone de transition entre deux écosystèmes. Les conditions sont souvent intermédiaires. Puis, en général, les écotones, c'est là qu'il y a le plus de biodiversité. Il y en a plein sur une ferme, des écotones qui sont là. Même un chemin de ferme peut être un écotone. Les fossés, les bandes riveraines, les bords de boisés, les brise-vents, les bords d'étang, les friches, un tas de roches. C'est tous des exemples d'écotones qui peuvent être facilement des milieux riches en biodiversité. Donc, il y a la protection, puis il y a aussi l'aménagement. La protection... Déjà, il y en a la biodiversité sur vos fermes. Il suffit de s'assurer de protéger où est-ce qu'il y en a.
C'est, donc, c'est surtout ne pas chercher à éliminer toutes les petites zones naturelles qu'il peut y avoir sur l'exploitation. C'est déjà une mesure en soi. On protège des acquis. L'étape supplémentaire, c'est celle de faire des aménagements pour améliorer la santé des écosystèmes. Puis, il faut juste retenir que quand on parle surtout de la faune, ce qu'ils ont besoin, petit ou grand, c'est un abri, de l'eau, de la nourriture, comme tous les êtres vivants de cette planète. Alors, pour la suite, je vais passer la parole à Noémie. Je pense qu'il faut que j'arrête mon partage et puis Noémie va partager le sien. Voilà. Voilà, alors j'espère que tout le monde voit bien le diaporama. Avant d'aller plus loin dans les aménagements, je voulais être sûre qu'on soit tous sur un même pied d'égalité, à savoir qui on veut attirer exactement sur nos fermes. Et donc, on pense principalement d'abord aux prédateurs. Donc, c'est des organismes qui vont se nourrir d'insectes et d'autres animaux ravageurs de culture. Amphibiens, reptiles en font partie. On va penser aux oiseaux également. Il faut penser que les passereaux, les petits oiseaux chanteurs, en période de reproduction, vont manger énormément d'insectes. Il y a des mammifères comme les chauves-souris aussi qui vont dévorer la quantité de pyrales, de noctuelles ou de tordeuses qui sont ravageurs de culture. Donc, ces papillons de nuit qu'on ne veut pas voir dans nos champs. Il y a aussi des insectes et des araignées prédateurs qui sont extrêmement intéressants à attirer par nos aménagements ou nos zones de protection. On va également penser, ça va leur changer sur le bon écran, donc aux parasitoïdes. Donc, c'est des insectes dont les larves se développent et se nourrissent dans un organisme hôte. Le meilleur exemple, c'est probablement les trichogrammes qui sont utilisés dans beaucoup de cultures modernes. On ne peut pas passer sous silence non plus les pollinisateurs. Donc, pollinisateurs, on va penser d'abord aux abeilles et bourdons, mais c'est aussi des oiseaux, des chauves-souris. Et c'est le deux tiers des plantes cultivées qui dépendent des pollinisateurs. Donc, c'est extrêmement important comme insecte auxiliaire. Le meilleur exemple, c'est probablement l'abeille domestique, donc qui a des structures extrêmement bien développées pour transporter le pollen et dont on est dépendant dans l'agriculture moderne. Donc, les mesures de protection doivent être mises en place aussi pour protéger ces abeilles domestiques. Et on pense également aux décomposeurs. Donc, ça, c'est des organismes qui vont contribuer à la dégradation de la matière organique ou des excréments en les restituant sous forme minérale. Ces décomposeurs-là, bien, le meilleur exemple, celui qui nous vient plus couramment en tête, c'est les vers de terre. Donc, les vers de terre sont davantage favorisés par vos pratiques agricoles que par les aménagements à proprement parler, là, mais ça reste super intéressant de valoriser cette biodiversité du sol. Là. Et donc, je voulais prendre le temps aussi de vous parler de biodiversité et de résilience. Donc, c'est un mot qu'on entend couramment, particulièrement cette année. Mais il faut prendre conscience que la principale cause du déclin de la biodiversité, c'est la perte ou la détérioration des habitats, qui est soit due à l'agriculture, à la déforestation ou à l'urbanisation principalement. Donc, il faut prendre conscience que nos pratiques agricoles, notre mode d'agriculture moderne, nuit grandement à la biodiversité. Parallèlement, on sait qu'un agroécosystème qui est plus diversifié va être plus stable, va avoir une meilleure résilience, une meilleure résistance et capacité de se rétablir suite aux perturbations. Donc, que ce soit par acquis de conscience ou vis-à-vis de l'environnement ou pour rendre vos agroécosystèmes plus performants face aux changements climatiques et autres aléas de la nature, bien, ça peut être intéressant de promouvoir la biodiversité. Et j'en ai parlé brièvement, je vais rentrer dans les exemples d'aménagement. Vous allez voir, il y a des choses très, très simples qui peuvent être mises en place et des choses un petit peu plus complexes. Et des fois, sur vos fermes, vous avez déjà des zones qui ont beaucoup de potentiel sans qu'on ait à aménager quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des mines d'or de biodiversité qui nécessitent juste de les protéger, de les garder
intacts, de les laisser fleurir. Des fois, c'est en bout de champ, ça peut être des bords de champ, ça peut être des zones boisées qui sont d'intérêt. Donc, c'est le premier pas, je pense, c'est de voir ces zones-là sur votre ferme avant de penser aux aménagements. On va parler d'aménagement là, vraiment de base. L'installation de nichoirs d'oiseaux, de chauves-souris vont être des pratiques qui vont encourager leur nidification à long terme sur le site, donc leur présence à l'année ou du moins pendant les périodes de la saison de croissance. Il y a également plusieurs choses que vous pouvez faire pour changer vos pratiques agricoles, des fois de façon pas très, très difficile à intégrer dans vos pratiques courantes pour favoriser les oiseaux champêtres. Je vous ai mis quelques liens là, via la présentation pour aller un peu plus loin, mais il y a vraiment des choses simples qui peuvent être faites pour encourager ces oiseaux-là qui dépendent des milieux agricoles. Des sites d'hivernement et de nidification aussi des abeilles peuvent être faciles à installer sur vos sites. Si vous avez des zones avec du sureau, du sumac, des framboisiers, donc des arbustes ou des herbacées qui ont des tiges creuses, simplement de les laisser sur place, de protéger ces zones-là pour que les abeilles puissent y faire leur nid, donc passer l'hiver. Et si vous avez des fauches à faire dans vos bords de fossé, pensez à laisser une certaine hauteur là, pour ces végétaux-là, entre 20 et 60 cm, pour favoriser leur présence. Ils vont être aussi bien dans des sols à nu qui sont non perturbés. Donc, si vous avez des zones où vous voyez des petits trous, là, particulièrement au printemps, ça peut être des zones de nidification des abeilles qui sont vraiment intéressantes à protéger. Et naturellement, c'est là qu'il va avoir le plus de richesse là, quand ils s'établissent par eux-mêmes sur un site. Utiliser des paillis de feuilles, laisser des tas de paille au champ peuvent être aussi des façons de fournir un refuge puis des sites d'hivernement à plusieurs insectes bénéfiques, particulièrement aux araignées, aux carames que vous voyez sur l'image. Et les grenouilles vont aimer beaucoup là, les milieux humides, là, les tas de feuilles plus humides. Les monticules de roche aussi, vous en avez beaucoup dans vos champs, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Amassez-les en bout de champ dans une zone protégée. Faites un monticule qui va servir d'abri pour les crapauds et les reptiles. Et un peu la même chose avec les tas de branches. Donc, vous pouvez installer en bordure d'un arbre ou d'un boisé des tas de branches qui vont servir de site d'hivernement et de refuge à plusieurs auxiliaires. L'importance du bois mort aussi, tout ce qui est chicots, des souches au sol qui sont en décomposition. Donc, il y a des organismes qui se nourrissent de ce bois-là, qui en dépendent pour leur survie. Ils peuvent servir de plantes réservoirs aussi, d'une certaine façon, pour nos auxiliaires de culture, donc des oiseaux qui vont venir, lorsque les populations de ravageurs baissent dans vos champs, se nourrir dans ces milieux très, très riches là, en insectes. Pensez également aux points d'eau. Vous avez probablement des points d'eau naturels sur vos sites. Pensez à éviter la contamination lors des traitements, à les protéger, à créer des écrans, donc des haies autour de ces milieux-là pour les protéger. Il y a plusieurs amphibiens qui sont menacés puis qui dépendent de ces points d'eau-là. Si vous voulez aller plus loin, là, il y a des mesures d'aménagement plus détaillées dans différents guides là, là-dessus, mais c'est vraiment essentiel à leur survie, ces points d'eau-là. En parlant de points d'eau, tout ce qui est rive et milieu humide, c'est des milieux qui sont très riches en biodiversité. Donc, c'est un essentiel à protéger. Il y a des lois là-dessus qui encadrent tout ça. Mais la prise de conscience, c'est le premier pas. Donc, là, il y a un tiers des espèces en péril qui dépendent de ces milieux-là. Et je vous ai mis une petite image là, qui résume bien les différents services écologiques d'une bande riveraine parce qu'au-delà de la biodiversité, c'est bénéfique également pour vos cultures. On pense aussi aux haies brise-vent quand on parle d'aménagement pour la biodiversité. Donc, oui, ça sert à diminuer l'érosion par le vent, mais comme Jean le mentionnait, ça crée un microclimat et un écotone qui est favorable à la biodiversité. Donc, c'est un refuge instantané pour une foule d'auxiliaires. Et si vous voulez aller un peu plus loin, d'y intégrer des feuillus qui vont être une source de pollen intéressante, comme les érables, les tilleuls, les saules, bouleaux, certains arbustes, arbres fruitiers également vont être super intéressants pour avoir un petit peu plus de gain au niveau de la pollinisation. Et si vous voulez, la haie brise-vent Nec plus Ultra, vous lui intégrez des strates arbustives et herbacées qui vont permettre vraiment d'avoir un refuge complet là, pour une myriade d'auxiliaires. Certains arbustes là, comme le sureau, la viorne, la ronie et le chèvrefeuille sont très intéressants pour la faune. Rudbeckii, monarde, aster, ezidia, c'est d'autres plantes qui peuvent être intégrées facilement ce genre d'aménagement.
L'agroforesterie également, de façon plus générale, tout ce qui est système agroforestier intercalaire va servir de refuge, de site de nidification et de source de nourriture pour les auxiliaires. Et quand vous aménagez des éléments plus complexes comme ça, que ce soit un brise-vent, que ce soit bande riveraine, pensez à la connectivité des habitats fauniques. Pensez à créer des corridors, donc vraiment de s'assurer que nos aménagements sont connectés entre eux pour favoriser le déplacement de la faune. Donc certains auxiliaires que vous l'attirez sont des prédateurs, mais ils sont aussi la proie de prédateurs plus grands. Donc il faut penser à leur offrir des zones de sécurité, de déplacement, des refuges, et en connectant ces différents habitats-là, un peu comme on voit sur la photo aérienne là, de droite, bien, ça favorise leur présence, ça crée des aménagements beaucoup plus efficaces comme ça. Sinon, bien, je termine avec, je pense, l'aménagement modèle, là, celui qui nous vient en premier en tête quand on pense à biodiversité, la bande florale. La bande florale offre ce qui est nourriture, refuge et site de reproduction à beaucoup, beaucoup d'auxiliaires. Donc, c'est définitivement quelque chose d'intéressant à intégrer à vos fermes. Et quand on veut une bande florale efficace, on va chercher une floraison, qui est abondante et continue toute la saison. Donc, souvent, on choisit une dizaine d'espèces, puis ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il y ait vraiment des fleurs tout le temps. Donc, leur période de floraison, comme on voit sur le diagramme, se chevauche dans le temps, de sorte qu'il n'y a pas de creux où on n'a plus rien à offrir aux auxiliaires. Ce qu'on veut, c'est qu'ils restent en place. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait toujours quelque chose de disponible comme source de nectar et de pollen. Et qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une plante plus qu'une autre pour composer nos bordures florales? Bien, il y a différents critères là, qui vont faire qu'une plante est une bonne source de nourriture pour les insectes pollinisateurs, entre autres, mais aussi les parasitoïdes qui vont avoir besoin de sources de pollen et de nectar en cours de développement. D'abord, on va parler d'abondance et de la composition nutritionnelle des fleurs. Et pour ça, il existe quand même plusieurs guides là, sur les plantes mellifères. Je vous en présente un, celui du CRAAC, qui est très bien fait. Et donc, qui peuvent être un bon point de départ là, pour sélectionner les plantes qui vont composer votre aménagement. Donc, ce n'est pas toutes les fleurs qui ont la même abondance de pollen, de nectar, et qui n'ont pas la même nécessairement qualité nutritive là, pour les abeilles. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher des plantes qui sont performantes là, pour vos aménagements. C'est aussi important d'avoir une disponibilité dans le temps de ce pollen, de ce nectar. Donc, des plantes qui vont avoir une longue floraison vont être avantagées, vont être plus intéressantes à intégrer à vos aménagements fleuris. Et pour être sûr d'avoir une floraison qui continue, bien, des fois, d'intégrer des annuels, ça peut être intéressant aussi. Donc, l'alcyone maritime en est un exemple, mais on pourrait penser à différentes plantes annuelles là, qui ont une floraison très, très prolongée. Le trèfle peut en être, on pense, la phacélie peut être super intéressante aussi. Et ce n'est pas toutes les fleurs qui ont la même attractivité pour les insectes auxiliaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend de mieux en mieux, mais qui reste à étudier. Je vous présente une fleur, entre autres, comme la carotte sauvage. Les ombellifères vont être extrêmement attractives pour les pollinisateurs. Donc, c'est des gros pompons qu'on voit de loin. Donc, les insectes qui recherchent à la vue les fleurs vont être particulièrement attirées par cette forme de fleur-là. Les nectars sont très disponibles et la forme est idéale comme piste d'atterrissage pour plusieurs auxiliaires. Donc, c'est des fleurs qui sont extrêmement intéressantes là, à intégrer aux aménagements. Et ce qu'on découvre tranquillement, puis là, c'est la photo de droite, donc la petite fleur jaune, ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on découvre, c'est que les insectes voient à des longueurs d'onde différentes de ce qu'on voit. Et vous avez la fleur en bleu en bas qui représente ce que l'insecte, lui, voit quand il arrive près de cette fleur-là. Donc, il y a des signaux qui sont envoyés par les fleurs qu'on ne décode pas nécessairement à l'œil humain, mais qui font que certaines plantes sont plus attractives que d'autres. Ce qui va en faire une bonne source de nectar, c'est également l'accessibilité de ce nectar-là. Vous voyez sur l'image où on voit les petites feuilles avec des gouttelettes, donc il y a du nectar extrafloral. Donc, ces plantes-là vont être très attractives pour beaucoup, beaucoup de pollinisateurs parce que leur nectar est facilement accessible. Alors qu'il y a d'autres plantes qui se sont spécialisées et qui vont attirer plus particulièrement là, des insectes qui ont une longue trompe ou une longue langue pour accéder aux ressources de nectar.
Et donc ça, c'est à considérer dans le choix de vos espèces. Puis je vous dirais que c'est généralement ce qui fait en sorte qu'on va aller vers des cultivars indigènes qui sont mieux adaptés à la faune locale. Je vous montre l'exemple, par exemple, du rosier sauvage, qui est l'image d'en haut, là, donc, où on voit que les nectars sont... En fait, les étamines et les nectars sont facilement accessibles pour les insectes, alors que des rosiers qui vont être développés en pépinière, plus pour leur beauté, leur esthétisme, sont moins intéressants dans les aménagements, car la ressource de nectar et de pollen est beaucoup moins accessible. Il faut aussi penser qu'il y a un risque associé à la recherche de nectar. Donc, on va travailler dans les aménagements souvent plus sous forme de massifs. On va favoriser les groupes de plantes. Je ne suis pas en train de vous dire que les mélanges fleuris, ce n'est pas intéressant du tout, mais c'est sûr que ça a ses limitations. C'est un côté pratique que c'est implanté facilement, rapidement, en fait, en souvent un passage. On a une douzaine d'espèces d'implantées. Mais la réalité, c'est qu'il en sort souvent 3, 4, 5 dominantes et il y en a qu'on ne verra jamais. Donc, pour un aménagement optimum, moi, je vous conseillerais d'y aller vraiment. En fait, ce qui est démontré dans la littérature, c'est que c'est plus intéressant de travailler sous forme de massif de fleurs. Donc, d'y aller vraiment avec des fleurs de la même espèce regroupées. Visuellement, c'est plus facile pour les pollinisateurs de trouver et ça vaut plus la peine pour eux de se déplacer pour une centaine de fleurs que pour 2 ou 3 dispersées. Donc, c'est à réfléchir aussi quand c'est possible dans vos aménagements de le faire, parce qu'il y a toujours un risque pour le pollinisateur de chercher cette source de nourriture-là. Et je vous présente un beau projet, dans le fond, juste pour vous faire penser qu'il y a plusieurs zones où vous pouvez valoriser ces zones-là par des mélanges fleuris. Il y a un projet de l'Université du Michigan là, qui propose de mettre des plantes à fleurs près des installations de panneaux solaires là, qui sont de plus en plus en vogue là, dans les terres agricoles au Michigan. Donc, c'est vraiment des projets très, très simples qui permettent d'accentuer, de valoriser ces zones-là pour la biodiversité. Finalement, ça peut être intéressant comme premier pas de faire faire un diagnostic de la biodiversité sur votre ferme. Et pour ça, il y a des organisations très compétentes là, qui peuvent vous aider. Des fois, on a le nez un peu trop collé sur notre ferme, sur ce qu'on voit au quotidien. Et d'avoir un regard extérieur, ça peut être vraiment intéressant. Donc, je vous en liste quelques-unes. Là. Il y a des organismes de bassin versant, il y a Écomestibles, le Bureau d'écologie appliquée et Pleine Terre, qui sont des ressources très intéressantes pour faire ce diagnostic-là du potentiel des zones à protéger sur votre site et vous aider par la suite avec la création d'aménagements. Allô, Noémie? Oui? C'est Capucine, juste une petite intervention pour dire qu'il reste quelques petites minutes, si tu es capable, c'est très intéressant, mais de terminer pour être dans les temps, si cela ne t'ennuie pas, s'il te plaît. Parfait. Merci. Alors, sinon, au niveau des ressources financières, il y a Primevert volet 1 qui peut financer jusqu'à 40 000 $, 70 % des dépenses sont couvertes. Fondation de la Faune, il y a plusieurs MRC, puis il y a des sources de financement autres là, qui sont disponibles pour vous aider à mettre sur pied ces aménagements-là. Et en conclusion, je pense que c'est clair que la nouvelle norme répond à une tendance mondiale de préoccupation pour la biodiversité. Il y a une prise de conscience collective là-dessus, puis l'agriculture ne peut pas en faire partie. Mais je pense qu'il est aussi facile de protéger des zones qui sont déjà très, très intéressantes sur votre ferme. Donc, c'est le premier pas, c'est probablement ça. Et pensez aux aménagements, des choses simples, des choses plus complexes. Et si vous avez besoin d'aide, il y a de l'accompagnement disponible là-dessus. Là. Donc, voilà, on est prêt pour les questions. Merci beaucoup à vous deux, Noémie et Jean. Ça donne beaucoup de bonnes idées, mais ça fait surtout penser qu'il faut vraiment prendre le temps d'évaluer ce qu'on a sur nos fermes, parce que pour voir plusieurs fermes, on a beaucoup de boisés à proximité, des beaux fossés hyper fleuris durant l'été. Donc, ça nous force à ouvrir l'œil à ça. Donc, je passe la parole à Mathieu pour la période de questions. Oui, Brogilina demande « Les bandes riveraines sont des écosystèmes linéaires qui favorisent efficacement la connectivité des habitats et des exigences chiffrées existent, ministère de l'Environnement. Est-ce que leur respect va être vérifié par les certificateurs? » Est-ce que, juste la dernière partie, Mathieu, excuse-moi. Est-ce que leur respect va être vérifié par les certificateurs? Oui. Je pense pas que ça soit le...
le rôle des certificateurs là, de se lancer là-dedans. Si on revient au texte de la norme, ce que ça disait, c'était un ou plusieurs des éléments suivants, là, puis les bandes riveraines étaient listées. Mais on s'entend qu'il n'y a aucune obligation par rapport aux éléments qui sont dans cette liste-là. En tout cas, moi, ça m'étonnerait beaucoup. Là. Il y a déjà, par exemple, les organismes de bassin versant, ils font la visite de bandes riveraines dans les MRC. Alors, il y a déjà des gens qui font ça. Là. Je ne pense pas que ça va faire partie du travail des inspecteurs bio. Michel Thibodeau demande prime vert en bio, 70 % ou 90 % Oui, effectivement. Je pense que c'est une question, un ou l'autre. 70, ah, c'est l'un ou l'autre. 90. En fait, ça dépend si c'est une approche collective de mémoire. Là. Si ça n'a pas changé dans la dernière mouture de prime vert, si c'est une approche collective, donc plusieurs producteurs qui se regroupent dans une même région, c'est 90 % et si c'est une ferme, c'est 70 % de mémoire. Peut-être que ça a changé. Serge Bouchard demande, j'ai plusieurs hectares sur 4 lots. J'en mets à quel endroit et combien par lot? On n'a pas cette réponse-là, clairement. Ça dépend beaucoup de la diversité déjà présente sur votre site, de la disposition. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui peuvent vous aider. Si vous avez des questions plus précises sur votre entreprise, il n'y a pas un guide de pas à pas de la biodiversité. Il y a probablement des espèces déjà intéressantes sur votre site qui méritent une attention particulière. Puis c'est là où le diagnostic de votre ferme devient intéressant. Là, il n'y a pas de recette. Je pense que juste pour enchérir, en fait, la norme est là. Il n'y a pas une obligation de résultat. Il y a une obligation de mettre en place des mesures de protection et d'amélioration. Je pense que si quelqu'un peut être très ambitieux. Je sais qu'il y a un de nos clients là, qui met des mouchoirs partout là, depuis des années. Fait que c'est un passionné d'oiseaux. Lui, il le fait plus que... Il fait comme ça, mais il y en a d'autres peut-être que ça va être plus timide au début. Mais je pense qu'on peut facilement s'ambitionner puis voir les résultats. Il y a des études qui ont été faites il y a très longtemps en Angleterre, qui comparaient les fermes bio et les fermes conventionnelles au niveau de la biodiversité. Puis déjà en partant, les fermes bio, là, il y avait un gros avantage, que ce soit pour les papillons, les oiseaux et tout. Donc, il y a déjà une richesse là, sur la plupart des fermes bio. Je pense que c'est juste d'être conscient de la protéger puis d'essayer d'améliorer aussi, on peut. Je crois que Jonathan Pinault veut poser une question. Je vais essayer de lui donner. Ah, il y a un problème avec sa version de Zoom. Je t'invite à poser ta question, Jonathan Pinault, dans le QR. Est-ce que tu es capable de parler, Jonathan? Bon, ben c'est tout pour mes questions. Si tu as eu des commentaires à lire dans le fil de discussion. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous.